D'une force, le sergent-chef Moussa Koné déverse ses marchandises installées à proximité du dépotoir. Des tas d'oignons étaient commercialisés là, à ciel ouvert, proche des ordures, dans ce marché d'Adjamé. Une pratique illicite et même dangereuse pour la santé des populations. Chaque matin, le maire fait la sensibilisation pour qu'on nettoie sa commune. Mais il y a des commerçants récalcitrants comme ceux-là. Et comment, où on verse les ordures? On vient installer les oignons pour sécher, pour dire après qu'ils vont les vendre. C'est pas normal. Au niveau de la santé, là, ça peut contaminer la population. C'est pourquoi nous faisons tout l'effort pour les chasser. Pour les chasser, mais ces femmes, ces commerçantes récalcitrantes, là, elles sont toujours là. Il faut qu'une décision soit prise en haut lieu. Il faut qu'une décision soit prise. Il a fallu que Siafo instaure cette campagne de sensibilisation contre la salubrité pour qu'on tombe sur ça. Nous, on ne savait pas. On est venu juste accompagner les agents de la mairie qui font un bon travail. Eux, c'est les responsables de la salubrité. Pour ce qu'on a ramassé, mettre dans les décharges. Et on se rend compte que les oignons que les hommes, les Nigériens achètent, quand l'eau touche, c'est gâté, ils ne peuvent plus revendre. Ils viennent jeter. Elles prennent, elles enlèvent les premières couches là, elles jettent. Et elles découpent, elles vendent ça en tas, 500. Donc toute personne qui a mangé une fois dehors, elle a mangé ça. C'est pas possible. C'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour... Et là, elles sèchent. Elles sont sans état d'âme. Il faut les voir en train de crier quand les messieurs ont voulu ramasser. Et il y en a qui dit, mais ah, toi, t'es servi, il faut laisser ça, on a tous mangé ça. Et c'est dangereux, ça veut dire que la décision doit être prise en haut lieu. Il faut arrêter ça, c'est pas possible. Les populations d'Adjamé sont donc prévenues. La police municipale ne fera pas de cadeaux au commerce et aux personnes ne respectant pas les mesures d'hygiène.